C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. Malgré la dégradation, le talent artistique était réussi. Pas un pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué! Non! Non, 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 non! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi! Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Sophia! Arrête! Père! Je croyais t'avoir perdu. Content de vous voir ici. N'en veuillez pas à Sophia, elle est prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert? Les Trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle? C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines. La cité perdue du prophète est tout près. Venez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes. Et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant. Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va, conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux, il faut vite alerter la vallée. Waouh, époustouflant. Sophia, rassemble nos combattants et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître, père. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les Trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque, s'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien.
Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Ce vase devait être magnifique avant. Mais quelqu'un y a percé des trous et l'a rempli de terre. Il devait sûrement y faire pousser des plantes. Il me faut plus de bois pour le feu. Ils ont presque tout utilisé pour réparer les tours de garde. Il va falloir qu'on se débrouille avec ce qui reste. Ils ont besoin de têtes de flèche pour se battre. Il faut me donner plus de bois. J'en ai déjà coupé pas mal. Et puis, je ne sais pas combien de temps il te reste pour forger. Les têtes pointues, c'est plus rapide à faire que les têtes larges. On devrait se concentrer là-dessus. Bonjour. Non, pas comme ça. Mais où est-ce que... Tu veux plus s'écrouler au moins d'un coup de vent. Une volaille quand même. Tu pourrais arriver d'un moment à l'autre. Je fais de mon mieux. Vous avez quelque chose à échanger? Quelque chose d'utile? Il y a quelque chose qui bourdonne au-dessus de la vallée. Ça n'a pas dû vous échapper. Il y a un loup blanc qui rôde. Je ne l'ai jamais vu moi-même, mais il paraît qu'il ne sort que la nuit. Bonjour. Vous êtes l'hôte de Jacob. Si ça vous dit, ceux qui réparent les tours de garde au bas du sentier ont besoin d'aide. Sans vouloir vous vexer, hein. C'est juste que vous n'avez pas le profil pour vous servir d'une enclume. Jacob nous a dit que vous l'aviez sorti de la prison. C'était un travail d'équipe. Quoi que vous ayez fait, nous vous sommes redevables. On ne va pas cracher sur une paire de bras supplémentaires pour nous aider. C'est juste qu'on n'est pas habitué à avoir de la visite. Encore un hiver difficile pour mon peuple. Il y a plus de décès que de naissances, désormais. Et saison après saison, les plus jeunes s'impatientent. Je les vois lever la tête quand les rares avions passent dans le ciel loin au-dessus de nous. Pensifs, rêveurs, curieux. Je sais qu'ils sont toujours dévoués à la cause, mais je sens qu'un changement se prépare. Bientôt, notre mode de vie disparaîtra. Les derniers envahisseurs ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais d'autres trouveront notre vallée. Et nous sommes liés au destin de ce lieu à jamais. Pour le meilleur. Et pour le pire. Je vais manquer de gaz pour le chalumeau. Je dois pouvoir faire encore 4 plaques pour les barricades. 5 au maximum. Après, il faudra que je fasse le plein. Ça va pas être facile. J'ai traîné les dernières bonbonnes depuis la prison soviétique il y a des années. Quand tu seras à court, il ne te restera plus que le marteau et le bâton. On a passé 2 jours entiers à ratisser ces vieux bâtiments. Il n'y a pas d'autres bonbonnes. N'en fais pas. Ça va te plaire, le burin. C'est jamais à toi. Jacob avait dit qu'il viendrait. On ne s'est jamais complètement remis après les soviétiques. Et maintenant, ça. Si vous voulez vous rendre utile, vous devriez aller au bas village. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur qui pourrait en entraîner d'autres. J'ai passé du temps seul avec Alia. J'avais réussi à éviter cela jusqu'à présent. Elle me rappelle ma très chère Sophia, que je croyais avoir oubliée depuis longtemps. Mais la blessure s'est rouverte. Elle m'empêche de penser clairement, même quand elle n'est pas présente. Je me fais l'impression d'un enfant écervelé, et cette époque est loin derrière moi. Je dois enfouir ces vieux sentiments et m'éloigner de mon peuple quelque temps.
vous là-bas. On a besoin d'aide si vous êtes là pour ça. Je comprends. Contente que vous ayez été là pour vous porter garant. Mon peuple a passé des décennies à repousser des étrangers. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Voyez si vous pouvez participer aux préparatifs. Votre aide pourrait jeter les bases d'une relation de confiance. Je vais voir ce que je peux faire. Ne vont pas tarder. Sûrement par les airs. Jacob a rassemblé nos combattants au haut village pour les préparer à ça. Les enfants et tous ceux qui sont trop vieux pour se battre seront cachés dans les catacombes de l'Acropole. Je les rejoindrai quand tout sera réglé ici. Tu as dit qu'ils étaient lourdement armés. Est-ce qu'on a la moindre chance? Le vrai combat ne se remportera pas sur le champ de bataille. Ils frapperont fort et vite, et nous subirons des pertes. Ils espèrent nous écraser lors de l'assaut initial, mais nous allons retourner leur empressement contre eux. Ce sera un combat de longue durée. Pour espérer survivre, nous devrons les épuiser doucement, avec stratégie. Nous leur infligerons une centaine de petites entailles et attendrons qu'ils se vident de leur sang. C'est de cette façon que nous triompherons. Pour l'instant, nous allons allumer les feux et prévenir les autres dans la vallée. Aujourd'hui, la survie sera notre victoire. Réunissez autant de munitions et de provisions que possible et cachez-les dans les grottes et les ruines. Quand vous aurez terminé vos préparatifs, rejoignez-le au village. C'est compris? Oui! C'est compris! Bien. Alors allez-y. Que le prophète soit avec vous. Salutations. Salutations. Jacob vous fait confiance. Ça me suffit. Ah, on est bien sûr que cette résine de pain va brûler? Je peux faire quelque chose pour toi? Fournée. Je sais que tu es occupé. Les Trinitaires ne vont pas tarder. Il y a beaucoup à faire.
Mais je voudrais aider. Laisse-moi te montrer que je suis de votre côté. Excuse-moi. L'heure est grave pour nous. Je sens que tu as une fille bien, et ton intention ne t'aideront pas à survivre ici. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je sais que tu es occupé. C'est mieux que pas de flèches du tout. Les trinitaires ne vont pas tarder. Il y a beaucoup à faire. Je suis pas sûr que ces flèches. Mais je voudrais aider. Laisse-moi te montrer que je suis de votre côté. Comment vous avez trouvé cet endroit ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Tu continues à en mettre 4 sur chaque flèche ? 3, c'est suffisant. Comme ça, fais-moi confiance, c'est parfait. On s'en fiche qu'elle soit belle, il nous en faut plus, autant que vous voulez. La guerre approche, on doit se préparer. Ne vous en faites pas pour nous, on s'y est préparé. Bonjour. L'arrivée des Trinitaires, la souffrance des gens qu'ils blessent. Tout est de ma faute. C'est moi qui les ai menés jusqu'ici. Bon sang, l'histoire se répète encore. Les gens souffrent à cause de moi. Non, tu ne dois pas le voir comme ça, Lara. Ou tu finiras dingue. Les Trinitaires auraient fini par trouver cet endroit. Au moins, j'ai une chance de les arrêter. De trouver la source divine en premier, et d'en faire profiter le monde au lieu d'y semer peine et souffrance. Il faut que je reste concentrée. Je dois continuer. Pour ceux qui sont morts. Pour tous ceux que j'ai perdus.